on trouve surtout des restes de chiens dents. Donc en fait, en les écartant, ben, je les casse. Ça va me faire de la paille et de la matière organique. Le principe, c'est de bien dégager le collet de l'arbre parce qu'il a besoin de respirer. C'est par là que la plupart de l'échange avec l'air ambiant se fait, avec l'arbre. Et autour de l'arbre en lui-même, je vais venir mettre une petite galette de BRF. Ensuite de quoi, on rajoutera de la paille pour tous les interstices. Comme ces branches ont été coupées fin août, elles ont l'avantage de faire un BRF très feuillu, ce qui ramène encore plus de matière azotée au pied des arbres et de choses à dégrader. Ça va permettre de donner un petit peu plus à manger au sol, aux champignons et à nos amis les insectes.